Salut les mecs, enfin rebonjour, je dirais peut-être si vous êtes vous venez de la partie 1. Donc on est sur la partie 2. En revanche, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à cliquer sur la vidéo tout de suite. Là, il y aura une petite annotation. Et si vous êtes sur votre téléphone, allez dans la description, il y aura le lien pour que vous puissiez y aller quand même. Donc voilà, merci vraiment des retours que vous donnez sur mes vidéos. N'oubliez surtout pas de like cette vidéo aussi, de commenter, de me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous aimez pas. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, à tout de suite. C'est la chanson. Tac, tac, pour voir comment ça rend. Merde. Ok. Et ça rend pas mal, hein. Moi j'aime bien encore. Ensuite, on va continuer directement. Comme ceci, loul. Ouais. D'accord. Comme ça. Yep. Par contre, ça me gêne. Merde. Voilà. Comme d'habitude. Merde, on prend du but faire un truc. Voilà, sinon, à chaque fois, vous voyez si vous faites pas. Regardez, attendez. Vous voyez, si vous ne faites pas CTRL SHIFT F, eh ben, ce que ça vient de faire, ça vous le fera tout le temps. Donc n'oubliez surtout pas de faire CTRL SHIFT F à chaque fois que vous avez utilisé le calque, parce que sinon vous allez être emmerdé. Et c'est assez regrettable, hein. Voilà. Alors ensuite, je vais continuer, parce que c'est pas. Plusieurs choix, vous pouvez faire comme ça directement ou. Ce que je vais faire là, qui est plus joli. Pour être sûr de pas me tromper, je vais faire. Je vais faire. Merde. Je vais faire le truc avec le calque. Tac. J'ai plus besoin de vous expliquer, vous avez compris. Voilà. Parfait. Ça peut paraître chelou ça. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Attendez. Je vais essayer de faire quelque chose. On va enlever ça là, on va essayer quelque chose. Yep. Yep, 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 c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Mais dans ce cas-là, par contre, on va enlever. Ça, sinon ça fait trop lourd. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime bien. Carrément, on peut. Je fais des tests, hein, donc m'en voulez pas. Ça vous fait plus de vidéos, enfin, ça vous fait une vidéo plus longue. Voilà. On peut même faire ça. Attendez. Je sais pas comment ça va rendre. On va voir. Non. Alors j'hésite, 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 je sais pas. Je sais pas. Et j'ai du mal, là je vous avoue, je sais pas trop. Ouais, non, je vais garder celle de gauche, je pense. Ouais, je vais garder celle de gauche. Au pire, si vous préférez celle que je viens de faire à droite, vous faites pareil que moi. Vous la refaites, quoi, mais on va garder ça, c'est plus simple. Voilà, ensuite.
Voilà. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, bah vous allez faire votre sabre, si je puis dire, votre bout d'épée. Tac. Ok, donc là, il y a des problèmes. Excusez-moi, il y a eu un petit problème. J'ai dû arrêter le tuto. Je le reprends maintenant. Vous avez vu, il y a quelques heures qui sont écoulées. Il est bientôt 23h30. Bientôt minuit, pardon. Et donc, je vais continuer. Comme vous avez pu voir, il y a eu quelques changements. Parce qu'en fait, j'avais pas enregistré comme un con mon truc d'avant. J'ai dû tout refaire. Donc, je suis assez fatigué. Donc, excusez-moi de ma voix un peu. En plus, j'ai pris un médicament pour dormir. Donc, là, je commence à m'endormir sur mon ordi. Ça va pas le faire. Donc voilà, je vais terminer quand même votre tuto les amis, puisque après ce week-end, attends, j'ai un message, après ce week-end, je suis occupé, donc je pourrais pas vous faire le tuto, donc ça va pas être possible. Donc là, je vais faire les couleurs, ouais, je vais faire les couleurs, tac, 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 ouais, donc pour les putain, je suis fatigué, je sais même plus ce que je dis. Pour les bouts comme ça, pour les trucs un peu plus grands, on va mettre une couleur plus claire. Et pour les trucs un peu plus petits comme ça, plus foncé. Parce que ben c'est ce qui est le plus beau. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Moi, c'est que mes goûts à moi. Ça n'engage que moi. Ensuite, j'aime bien prendre une image. J'ai vu ça sur la chaîne de Stealth Saver encore. Hein. Je m'inspire beaucoup de ces tutos, de ces épées, pardon. Et de sa façon de faire qui est plutôt bah, qui est la meilleure à mon goût. Donc voilà. Alors vous allez dans ajustement si vous voulez faire prendre une image et la mettre en noir et blanc. Noir et blanc, voilà. Vous allez copier l'image. Ctrl A, Ctrl C. Tac. Ne pas modifier. Quand vous avez votre image sur le calque 2, que vous avez fait tout ce que je vous ai dit de faire, vous allez prendre votre image et la mettre. À peu près comme ça, voilà. Ensuite, normalement là c'est bon. Tac, peut-être on va quelques deux. On va le foncir un peu, bien que non, comme ça. Vous allez dans calque, le propriété du calque, multiplicateur, ouais. Vous allez retourner sur arrière-plan. Vous allez sélectionner vos deux trucs clairs. Vous allez retourner sur votre calque 2 et faire CTRL X. Et voilà, là vous avez un petit style. Si je puis dire. Ce qu'on peut faire à la limite, carrément, c'est. Ouais, c'est bon. CTRL SHIFT F. Et voilà. On a un problème si tu veux. Merde. Ouais, ça là, j'y crois. Ok, voilà, ok, c'est parfait. Tac, on va passer, c'est tout clair. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va faire le manche. Donc pour le manche, j'aime bien faire du bleu et du bleu clair et du bleu foncé, soit du rouge, comme ça, et du noir. Et ça rend très bien le plus souvent. Donc on va aller dans ben, nuage, c'est dans photo. Non, c'est pas dans photo, c'est dans rendu. Putain, je suis rendu caca. Faire comme ça. Voilà. Ensuite, pour la fin, il y a un dernier petit effet que j'aime bien faire. D'ailleurs, attendez que je fasse pas de la merde, les amis. Qu'est-ce que tu fais, toi, petit PD? D'accord. Ben, pourquoi pas. J'aime bien faire, c'est déjà. Attendez. On va refaire. Nuage. Parce que là, j'ai oublié de le faire sur l'autre. Et c'est bon. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est du bruit grain. On va mettre du grain. Lolilol, comme ça. Ok.
Vous allez dans flou, c'est où flou? Flou glossien. Oup. Et faire comme ça. Et là, j'aime bien, moi, parce que ça rend, ça fait un peu, ça fait assez clean. Par contre, ça, c'est dégueulasse. Pourquoi ça a fait ça, putain? Merde. Excusez-moi. Voilà. Et ça fait un effet assez cool. Donc voilà, c'était l'épée que j'ai fait en live avec vous, les amis. J'espère qu'elle va vous plaire. Je mettrai un petit clip de PVP en intense bah, pour vous montrer l'épée, comment elle rend. Donc lâchez un like, dites-moi dans les commentaires quel tuto vous voulez que je vous fasse pour les prochains. Et ben, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous aussi, ça peut toujours servir. Donc bisous et à la prochaine. Voilà les amis, j'ai l'épée entre mes mains, elle est plutôt jolie. Seul problème, je viens de me rappeler que j'ai oublié de passer mon épée en 512 x 512. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez vous la passer en 512 x 512. Il y a juste à la redimensionner. Mais par contre, s'il y a des petits bugs ou si elle paraît un peu plus moche, je vous invite à aller voir un tuto pour comment sur internet pour comment passer d'une épée low res à HD et vous allez trouver. Donc voici ce que ça donne. Elle est plutôt mignonne. Je vais faire du build du haché. Et voilà directement, qu'est-ce qui se passe mon pote? Tu peux rien faire. Ok, il est un peu con. Il est très con même. Voilà, easy. Un deuxième clip. Hein. Excusez-moi du pseudo pas très Charlie, mais bon. C'est un pseudo comme les autres. Hein. Donc évitez tout type de rage dans les commentaires, s'il vous plaît. Ouais, normalement, je suis fort à l'arc. Là, je pue la merde. Voilà. Ça c'est du jojo. Ça, c'est du jojo. Mais oui, mais tout à l'heure, je faisais exprès en fait. Ne vous méprenez pas. Bande de Savage. Regardez ça. Regardez ça. Voilà l'épée. Hein. Bon, elle est un peu fine et un peu petite. Hein. Mais bon. C'est pas si mal que ça. Oh là là, quel placement. Quel placement de saut, les amis. Vraiment un grand talent au but du HC, ce Joan Sir. Bon, voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un like, hein, je l'ai déjà dit quand on était sur Paint. Mais voilà, je vous le redis. Et voilà, adios.